Les amis, bonjour. Petit épisode hors série aujourd'hui, puisque pour mon anniversaire, ma compagne m'a offert un tour de voiture sur circuit, une Alpine A110. Et donc, on va se retrouver aujourd'hui dans un univers complètement différent, donc sur le circuit de Saint-Dié-des-Vosges, dans les Vosges, où on va pouvoir essayer ce petit bolide. Alors, la météo est pas au rendez-vous. On a un peu d'orage et un petit peu d'averse. Pour le moment, ça se maintient. On va croiser les doigts pour que ça continue. Il y a quelques gouttes, mais la route reste relativement sèche. Alors attention, avant toute chose, je suis pas du tout calé en mécanique. J'ai jamais conduit sur circuit pour le moment. C'est vraiment une découverte aujourd'hui. J'adore rouler, j'adore la mécanique. J'ai jamais bidouillé un moteur. Donc il y a peut-être des trucs que je risque de vous dire qui seront complètement faux. Mais voilà, je voulais partager avec vous cette petite journée forte en sensations et vous emmener avec moi tout simplement. Il faut savoir que le circuit de Saint-Dié-des-Vosges, c'est un petit circuit de 2,7 km si je dis pas de bêtises. Ça y est, du coup on a accès au parc, on a le petit bracelet, expert pilote, géoparc. Donc on est prêt. Comme je vous le disais, le circuit de Saint-Dié, c'est un petit circuit. Ça fait en fait vraiment une petite boucle. Et la petite particularité, c'est qu'en fait la piste principale se trouve juste en dessous de ce petit ponton. Et donc du coup, on peut vraiment être au-dessus du circuit pour voir les véhicules. On peut voir la Audi R8 avec le capot ouvert, qui a un contrôle de tous les véhicules à chaque début de journée. Et donc, la voici, notre petite Alpine A110 en bleu. Alors, juste avant d'aller sur le circuit, on a eu une petite session, on va dire théorique, sur par exemple comment prendre un virage à 90 degrés. Donc avec l'explication du point de braquage, le point de corde et le point de sortie. Bref, comment entamer un virage, prendre un virage le plus rapidement possible, avec le moins de perte de vitesse possible, on va dire. Pour essayer de repartir au plus vite. Il faut savoir que l'Alpine A110, c'est une voiture propulsion, c'est-à-dire que c'est les roues arrière qui poussent la voiture, c'est les seules roues motrices du véhicule. Et donc quand on arrive dans un virage, le but c'est d'avoir de l'adhérence sur les roues à l'avant. C'est pour ça que quand on arrive dans un virage, on va freiner très fort pour basculer l'intégralité du poids à l'avant pour avoir de l'adhérence sur les roues avant qui, elles, sont directionnelles. Une des petites particularités également du circuit de Saint-Dié-des-Vosges, c'est qu'il comporte un virage en épingle, donc un virage à 180 degrés, donc 2 x 90 degrés. Ici, notre point de braquage est beaucoup plus haut dans le virage, ce qui signifie qu'on va freiner beaucoup plus tard. Et donc ensuite, on va pouvoir avoir une trajectoire beaucoup plus linéaire au niveau de notre point de corde et de notre point de sortie, ce qui signifie qu'on pourra raccélérer beaucoup plus tôt, et donc on pourra gagner en vitesse derrière. C'est vraiment ici l'intérêt d'avoir une trajectoire, ce qu'on appelle idéale, c'est de pouvoir accélérer beaucoup plus tôt pour reprendre beaucoup plus vite de la vitesse. On a ensuite fait 2 tours de circuit dans un petit van Mercedes pour apprendre le parcours et ensuite on est parti. Ah, tu peux y aller. Alors le premier tour, c'est un peu, on va dire, le tour de chauffe où en fait le moniteur nous apprend où se placer, quand freiner et quelle trajectoire prendre exactement dans quel virage. Donc le premier tour, on n'a pas beaucoup poussé au niveau des vitesses. On débraque, on vient chercher le point de braquage, le point de sortie et gaz à fond. Troisième. On reste droit, on soulage les freins. Ici, on va rencontrer deux chicanes, puisqu'en fait, on arrive sur un virage en dévers. Donc, en arrivant dans le virage, on ne voit pas le bout du virage. Donc, du coup, c'est assez dangereux et c'est pour ça qu'on prend ce qu'on appelle une chicane pour vraiment se décaler et prendre une bonne trajectoire pour éviter tout risque de glissade. Troisième. Quatre. Alors, on reste à fond jusqu'au double cône. Et frein fort. Plus de frein. Troisième. Soulage les freins et tu peux rester à l'extérieur. En troisième, c'est mieux. On passera plus vite après, tu verras qu'à troisième, c'est bien. En deux, ça peut glisser un petit peu à la relance. En troisième, c'est parfait. Commence à débraquer tout en accélérant. Vas-y, gaz à fond, reste à droite. Progressivement. Trop droite. Trop tôt. La vitesse? Ouais. Et frein fort. En troisième. En troisième. Ce virage est vraiment le plus sensationnel du circuit. Si vous revenez quelques secondes en arrière, vous entendrez les clignotants se déclencher. Et c'est pas du tout parce que je touche au clignotant, c'est juste l'ESP, l'anti-patinage en fait, qui va se déclencher tellement on freine très fort dans l'arrivée du virage.
ça fait chier. D'accord. Okay. Et frein. Et en soi, on préfère avoir du coupe sur des virages. Alors, malheureusement, il n'y avait plus beaucoup de batterie dans la caméra, donc il y a eu quelques coupures. Ici, on voit que la caméra conducteur s'est complètement coupée. On va pas moins vite Je vous laisse profiter un petit peu du circuit. Plus tu montes dans les tours, effectivement, ouais, t'as plus de chevaux, mais tu perds en couple. D'accord, ok. Oui, c'est parce que t'as des gros moteurs, donc ça te permet de pas forcément redescendre en vitesse. Là, on a des turbos et freins. Donc le turbo, la force, c'est que il va mettre beaucoup de couple à bas régime. D'accord. Sur un moteur Atmo, effectivement, on peut chercher un peu plus de puissance, un peu plus dans les tours. Et encore, en fonction de la cartographie, on va pas forcément aller plus vite. Pas oublier qu'ensuite, on perd du temps sur le changement de rapport. 4. Temps perdu en changement de rapport, faut le compter aussi. Frein fort, on soulage, troisième. Encore un peu de frein, on soulage. Hein. On soulage, ça veut pas dire on relâche, on raccompagne, on commence à soulager. Là, tu peux mettre la 3 par contre. Débraque, on commence à débraquer. Allez, gaz à fond. 4. 5. Et frein fort. 4. Ici, on a encore bien entendu les clignotants se déclencher. Reste à l'extérieur. L'antipatinage donc qui se met en route. Plus près. Débraque. Un peu de frein ici. Lâche les freins. Filet de gaz. Et tu stabilises ce filet de gaz comme ceci. Frein, on soulage. C'est juste là, hein. Ouais. Et donc après 4 tours sur le circuit, il était temps de rentrer au stand. C'était très court, mais c'était des sensations incroyables. C'était une super expérience et je pense que j'en ferai d'autres. J'aurai d'autres anniversaires, j'espère. Et on fera d'autres véhicules, on essaiera d'autres voitures. Et j'essaierai d'en refaire une vidéo également comme celle-ci. Et bah les gars, je repars à l'instant du circuit. Je viens de faire donc les 4 tours en Alpine. Réaction à chaud, c'était incroyable. Ça passe tellement vite. J'ai même pas compté les tours, je me concentrais sur les virages. Je me focalisais sur les points de freinage. Et c'était vraiment incroyable, ça donne des sensations de fou. Quand on arrive en fin de quatrième sur un virage en épingle et tu freines à mort et t'as la voiture qui glisse et t'as l'impression que tu vas partir en face et au final ça tient, ça fait des sensations de fou, c'est incroyable. Je vous rappelle que c'était une première expérience pour moi, hein. J'ai jamais conduit de voiture de course ou même de voiture aussi haut de gamme et en fait c'est très bas, c'est incroyable comment c'est très bas. Comme véhicule, j'ai eu du mal vraiment à sortir et on a vraiment toutes les sensations parce que t'as le casque, c'est une voiture qui est avec des palettes, on passe les vitesses avec des palettes au volant, donc ça m'a complètement changé, j'avais jamais conduit avec des palettes, j'avais déjà conduit des boîtes auto, donc je connais déjà le fait de passer des vitesses sans embrayer, mais au niveau des palettes c'était complètement différent encore. Donc il y a un petit laps de temps entre la palette et le passage de vitesse, c'est assez intéressant. Enfin voilà, c'était une bonne expérience, j'étais content de partager ça avec vous et je pense qu'on se reverra pour une prochaine fois sur un autre véhicule. C'était Proc, salut.